Bon. Eh bien, vous parlez d'invité, justement, il y en a un qui est arrivé en surprise. Oui, bonjour, c'est Carla Bruni. Ben justement, on en parlait tout à l'heure. François, tu sais que tu es l'idole de mon grand garçon de 17 ans, qui est youtubeur. Donc, qu'est-ce qu'il me cause comme souci, ce gamin, à son âge? Moi, je fricotais déjà avec Mick Jagger, alors que lui, dans sa chambre d'ado, il a placardé partout ton affiche du Frexit. Alors, voici ma question, François. Est-ce que se présenter aux Européennes avec une liste pro-Frexit, c'est pas un peu comme commander une entrecôte dans un restaurant vegan? En tout cas, bravo pour l'imitation. Merci, ben oui, c'est moi. Je crois que madame Carla Bruni, je pense qu'elle est une femme très intelligente. Merci. Et qu'elle vous a laissé, parler, elle est là. Et qu'elle a laissé, et que vous avez laissé votre fils suivre les pensées politiques qu'il a définies par lui-même. Vous savez, c'est pas parce qu'Aurélien Toven est à l'UPR et est un militant actif que ses parents sont d'accord avec lui. D'accord. Mais France va disparaître, c'est un débat sur la magie, alors. C'est ouais. Ça. Merci. François Asselineau, président du PR et ancien candidat à la présidentielle, et donc candidat aux européennes en mai prochain. Et on se retrouve bien sûr Dany Moreau à 8h20 pour du rire. Il est 7h57.